L'ouverture de la première session ordinaire de cette année nous place devant des perspectives importantes, à savoir, entre autres, l'opérationnalisation des réformes dans le secteur des médias, la finalisation du processus de nomination du directeur général et des directeurs d'organes de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, l'organisation de l'élection des professionnels des médias devant siéger à la 7e mandature de la HAC, le suivi déontologique des médias. C'est le lieu de remercier le président de la République, Son Excellence, M. Patrice Talon, pour avoir sollicité la HAC dans le cadre de la réforme de la presse. La mise en œuvre de cette réforme ne va pas tarder. Et nous restons confiants que les professionnels des médias travailleront sous peu dans de meilleures conditions. Maintenons la dynamique et le cap en faisant prévaloir l'esprit d'équipe. Il n'est pas souhaitable qu'à l'aube de cette nouvelle année, nous soyons confrontés au crépuscule des valeurs de probité et de conscience professionnelle. Nous avons toujours besoin de ces qualités pour aller de l'avant et accomplir notre mission comme il se doit.